Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre, bien sûr, programme culture religieuse. Justement, dans cette édition, nous allons parler un peu plus de la particularité de 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Très, très, très vite, je dois laisser les paroles et les explications à notre invité, Dr Sami Ghendour, le grand professeur à l'Université de l'Azhar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, c'est le salut de l'islam, toujours oui. Qu'on va commencer notre parole, nos actes, nos contacts avec les autres par la paix, assalam. Par le salut islamique. Assalamu alaikum. Si je peux dire, oui, le mois de Ramadan, c'est un mois de paix, de miséricorde, mais aussi c'est un mois de grands avantages, de grandes récompenses pour les musulmans, notamment dans ces dernières nuits du mois de Ramadan. Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Vous avez commencé par la paix. Et la fin du mois de Ramadan, ça sera la paix. Ça sera la paix sur le plan individuel et sur le plan sociétal. Puisque comme nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Vous avez dans ces dernières nuits, c'est situé la nuit d'Al-Qadr. Oui. Et vous avez la sourate Al-Qadr, « Inna anzalnahu fi laylati Al-Qadri, laylatu Al-Qadri khayrun min alf shah, tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. » Et ensuite, « Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. » Donc vous avez la paix. Et à la fin, nous allons revenir bien sûr sur cette sourate aussi. Mais vous avez, à la fin du mois de Ramadan, on attend à quoi? On s'attend à quoi? On s'attend à être affranchi de l'enfer. Oui. Et c'est aussi la paix. Être comme nous, nous attendons à quoi aussi? À obtenir Ar-Rayyan. Vous savez bien que l'une des particularités du jeûne est que le jeûneur ont une porte particulière par laquelle ils devront, Inch'Allah, entrer dans le paradis. Ben, Abu Rayyan. Nous prions Allah qui c'est aussi une sorte de paix. Vous voulez quoi encore? Vous voulez As-Siyamu wal-Qur'anu yashfa'an. C'est-à-dire aussi dans le mois dans le jour du mois de le jour de dans le jour de dernier jour du jugement dernier, vous avez d'une part le jeûne. Et d'une part le Coran, puisque le mois de jeûne, c'est le mois de Ramadan. C'est durant le mois de Ramadan où l'on récite beaucoup le Coran. Et donc le Coran et le jeûne intercéderont en faveur du jeûneur, en faveur du musulman le jour du jugement dernier. Donc le jeûne dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai empêché de boire et de manger. Et le Coran dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai empêché de dormir. Et donc dans ce cas-là, les deux intercéderont en faveur des musulmans et Allah agréera, acceptera leur intercession. Et ça sera aussi de la paix. Oui. Et donc, jeûner et observer le jeûne et obéir aux ordres d'Allah vous mènera normalement et naturellement au chemin du salut. Et le chemin du salut, c'est le paradis. Et Inch'Allah, donc le chemin de ceux qui observent bien le jeûne et récitent le Coran et obéissent à Allah et à son messager, ça sera la paix. Donc, puisque vous avez commencé par la paix pour les jeûneurs. Ouais. Donc on va prendre un tout petit reportage concernant ce sujet. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, notamment la nuit d'Al-Qadr ou de valeur. Donc un reportage, après ça on va essayer d'analyser plutôt qu'est-ce que ça veut dire la nuit de valeur et quand même le poids de ces dernières dix nuits
pour la foi de chaque musulman, pour les récompenses de chaque musulman de la part d'Allah, qu'il soit glorifié. Parmi les temps qu'Allah glorieux et majestueux a spécifiés en leur octroyant plus de faveurs et des bons abondants, le mois béni de Ramadan, qu'Allah a favorisé aux autres mois, ainsi que les 10 dernières nuits de Ramadan qu'il a favorisées par rapport aux autres nuits, de même que la nuit du destin, qu'Allah a rendu meilleure que 1000 mois du fait de la grande valeur et de la grande place qu'elle a pour lui. Dieu nous a caché la date précise de cette nuit pour nous pousser à déployer des efforts durant tout le mois du Ramadan et de redoubler de ferveur pendant les 10 dernières nuits. De même qu'il nous a caché le moment durant lequel Dieu exauce les implorations le vendredi pour que nous l'implorions toute la journée. Durant cette nuit bénie et sacrée, beaucoup d'anges descendent, car c'est une nuit renfermant beaucoup de bénédictions et d'immenses bienfaits. D'une manière générale, les anges descendent en même temps que la bénédiction, le bien et la miséricorde, tout comme ils descendent au moment de la récitation du Coran et pour les assises de rappel. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire qu'il n'y a que du bien durant cette nuit, il n'y a pas de mal jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, chers téléspectateurs, nous essayons toujours de savoir un peu plus d'informations concernant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, notamment la nuit que tout le monde, tout musulman attend, Al-Qadr, la nuit d'Al-Qadr, la nuit de valeur. Oui, de grande valeur. De grande valeur. Oui, oui, comme vous l'avez déjà dit, c'est une nuit que nous attendons une fois pour toutes durant l'année. Donc c'est pour cette raison, c'est une grande nuit, puisque c'est une nuit qui se répète chaque année. Donc on doit quand même se préparer pour cette année. C'est pour cette raison le prophète nous dit « il tamisouha ». Donc cherchez même le sens même du hadith « il tamisouha », cherchez et recherchez là. Dans l'idée, d'abord, vous avez plusieurs hadiths, des hadiths qui parlent de chercher là durant tout le mois de Ramadan. Mais il y a d'autres hadiths qui disent chercher durant là tout le mois, de Ramadan. Tout le mois du Ramadan. Et ensuite, ça sera difficile. C'était difficile pour les musulmans. Et donc, pour alléger l'affaire et la tâche pour les musulmans, le prophète dit chercher là dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, au début. Et c'était durant tout le mois de Ramadan. Et pour alléger aussi la tâche pour les musulmans et leur donner plus de chances, cherchez-les dans les nuits impaires, les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Dans les nuits impaires. Donc le prophète, qui est miséricordieux, essaye de donner plus de chance aux musulmans. C'est une nuit de grande valeur parce que c'est une nuit où les actions qu'on doit faire durant cette nuit seront récompensées. Allah va multiplier les récompenses des actes effectués durant cette nuit. Et parce que, puisque on a dit le mois de Ramadan a une valeur particulière parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Mais quand on dit le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, on dit la nuit d'Al-Qadr. J'ai déjà dit que le Coran a été révélé une fois pour toutes durant le mois de Ramadan. C'est durant la nuit d'Al-Qadr où le Coran a été révélé une fois pour toutes dans le premier ciel, Sama al-Dunya. Et donc c'est durant la nuit d'Al-Qadr. C'est pour cette raison que le Coran dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Et nous avons fait descendre le Coran, dans la nuit d'Al-Qadr, dans la nuit d'une grande valeur, comme l'autre verset. L'autre verset de la sourate Ad-Dukhan répond à ce verset. « Inna anzalnahu », le Coran, nous avons fait descendre le Coran, « dans une nuit bénie ». Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Donc la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, d'une grande valeur, c'est une nuit bénie. Donc là vous avez Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah de la sourate Ad-Dukhan, une nuit bénie.
c'est-à-dire la nuit d'une grande valeur. Il y a des traducteurs qui disent la nuit du destin, tout ça. Mais pour nous, c'est plutôt cette nuit prend sa valeur de la descente, de la révélation du Coran dans cette nuit. Donc c'est une nuit d'une grande valeur. Al-Qadr, laïs al-Qadr. Parce qu'il y a une différence entre Qadr, destin, destiné, et Qadr, la valeur. Ouais. Donc c'est une nuit, tout une nuit de grande mérite. Pourquoi cette nuit est de grande mérite? Parce que il y a quand même une sorte de multiplication des actes. Des récompenses des actes. Mm. Multiplication des récompenses des actes. Multiplication de récompenses des récompenses des actes. Comment? Bah, vous avez Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. C'est-à-dire, si vous avez fait deux raka'a dans la nuit d'Al-Qadr, donc le mérite de ces deux raka'a mérite, c'est-à-dire égal à aux récompenses de deux raka'a durant mille mois. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Ouais. Donc vous avez une nuit égale à alf shahr, mille mois. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Pourquoi c'est aussi cette valeur? Il y a le Coran qui a été révélé. Il y a les anges qui descendent. Tanazzalul malaika, les anges descendent. Warruhu, l'ange Gabriel. Fiha, dans cette nuit. Bi'idhni rabbihim, avec la permission de leur Seigneur. Min kulli amr, c'est-à-dire ils descendent sur terre pour faire régner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun, paix, miséricorde, sérénité, atteindre la proximité du Seigneur. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. C'est-à-dire cette nuit est pleine de paix et de sérénité jusqu'à l'apparition de l'aube. Nous prions Dieu, Allah, qu'il soit glorifié, de nous aider à arriver à avoir les biens de cette nuit. Et accomplir, bien sûr, les bons actes qu'Allah doit agréer, inshallah. Et bien sûr, on va savoir ensemble qu'est-ce que nous devons faire pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, notamment la nuit d'Al-Qadr de grande valeur. Mais justement, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à faire cette visite dans une mosquée monumentale du Caire. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqilli, fut envoyé par le calife al-Mu'izz al-Din Illah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, au cours de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il y a toujours cette bonne histoire concernant le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et on dit qu'il... Donc, il y a des efforts à faire de la part du croyant. Et ça, en prenant un exemple, notre grand prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Shadda Mi'zara, wa iqaz ahla, réveiller ses. Les siens. Oui. Et en même temps, il a essayé de serrer la ceinture. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire serrer la ceinture? Oui, c'est quand même quelque chose de métaphorique. Oui. Puisque ça, pour les Arabes, ça veut dire quoi? Ça connote
le grand effort que nous devons faire. Puisque là, l'affaire est importante, le travail est sérieux, le travail est important. Donc, dans ce cas-là, on doit être attentif, on doit se réveiller, on doit se serrer les sentiers. On doit bien se préparer pour les 10 derniers jours. Puisque là, il y avait ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Et le prophète, ainsi que les compagnons, ainsi que les épouses même du prophète, faisaient leur retraite spirituelle au mois du Ramadan. Ouais. Le prophète le faisait toujours. Donc parmi les actes les plus importants que le musulman pourrait, parce que ce n'est pas obligatoire quand même, pourrait faire pour avoir plus de récompenses de la part d'Allah, c'est ce qu'on appelle la retraite spirituelle, i'tikaf. I'tikaf, donc quand on dit on peut passer une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits, selon les capacités, les possibilités de chaque personne. Dans la mosquée. Dans la mosquée, bien sûr. I'tikaf, c'est-à-dire dans la mosquée. Il n'y a jamais d'i'tikaf que dans les mosquées. Peut-être, il y a quand même des gens qui essaient de faciliter les choses en disant, peut-être, on pourrait quand même faire l'i'tikaf, la niyyat l'i'tikaf, prononcer, formuler l'intention de faire la retraite de certaines heures. De certaines heures. Par exemple, si par exemple je fais la rupture de jeûne, et ensuite je dois aller à la mosquée pour faire la prière de l'Isha et de Tarawih. Donc, comment ça peut passer une heure, deux heures, trois heures? Il y a des gens, il y a des ulémas qui vous disent, donc, une fois tu entres dans la mosquée, formule l'intention de faire la retraite. Ouais. La retraite de temps que vous allez passer dans la mosquée. Donc, dans cette retraite, qu'est-ce que nous devons faire? Dans la retraite, il n'y a que bonnes actions. Il n'y a que dhikr, rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, par toute formule d'invocation dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, formulée par le prophète. Multiplier la récitation du Coran, multiplier la prière, par exemple, de leçons de religieuses. Par exemple, il y a des gens qui se réunissent pour donner de leçons religieuses dans la mosquée. Lire le Coran avec méditation, c'est-à-dire lire et comprendre, lire et expliquer, lire et tout ça. Donc, tout acte nécessaire. Tout acte, tout bon acte, mémoriser utile à la personne, Coran, mémoriser la Coran, vous pourriez le faire durant la nuit dans le cadre et tout le mois de Ramadan, bien sûr. Pour le travail. Tout le travail. Nous sommes dans la retraite. Le travail, qu'est-ce que nous devons faire? Le travail. Travail où? Nous travaillons, bien sûr. Travaillons dans nos bureaux, par exemple. Ouais. Donc, dans nos bureaux, donc il n'y a pas de retraite, mais il y a d'autres. Donc, est-ce que nous pouvons, si je peux dire, accompagner quitter. La... Quoi? Quitter le travail? Réciter le Coran quand on travaille? Non, je parle... Quand on travaille, on travaille. Oui. Je parle, je suis actuellement, j'ai l'intention de faire la retraite, mais j'ai de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous pourriez faire cet équilibre entre les deux, vous pourriez par exemple prendre congé de votre travail, si vous voulez. Oui. Si c'est possible quand même. Disons, la retraite spirituelle, c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. Oui. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que je peux, par exemple, consacrer quelques heures, quelques minutes? Oui, mais j'ai dit, certains ulémas disent que vous pourriez consacrer quelques heures à la retraite spirituelle. Par exemple, comme j'ai dit, vous allez faire la prière de l'Isha. Donc, faire la prière de l'Isha. Faire de la prière de Tawih, et si la mosquée est ouverte, vous pourriez passer encore une heure, peut-être. Une heure, deux heures, trois heures. Donc, ayant l'intention de faire la retraite spirituelle. Oui. Vous devez avoir l'intention. Oui. Mais si je travaille, je dois accomplir, assumer ma responsabilité dans le travail. Oui. Si je manque à ma responsabilité dans le travail, donc je fais contre l'islam. Oui. La zakat d'al-fitr, la zakat de jeûne. Bien sûr, comme vous l'avez déjà dit, quand on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, nous devons nous rappeler si nous avons déjà versé notre aumône de la rupture de jeûne ou non. Puisque la rupture de jeûne, donc on doit rompre le jeûne, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan. Donc là, dans ce cas-là, vous devez vous assurer que vous avez déjà pillé et versé votre aumône de la rupture de jeûne. Aumône de la rupture de jeûne, c'est importante pour le musulman jeûneur et pour les musulmans autres. C'est-à-dire, moi, en tant que jeûneur, j'ai besoin de verser l'aumône de la rupture de jeûne. Puisque, comme le prophète l'a dit, « Tohratun lissa'imi minal lagwi wa rafath ». Nous avons déjà dit, quand on est jeûneur, on doit nous arrêter de faire de péché.
Vous arrêtez de faire de blâme aux autres, d'insulter les autres, de faire quoi que ce soit qui pourrait faire mal aux autres. Donc dans ce cas-là, si par hasard, j'ai fait certains méfaits, certains fautes, certains péchés envers moi ou envers les autres, dans ce cas-là, je pourrais me purifier de ces actes-là, ces actes blâmables. Donc le versement de l'aumône, de la rupture de jeûne, c'est une purification des péchés que j'ai déjà fait pendant le mois de Ramadan. Mais ensuite, l'autre objectif de cette aumône obligatoire, parce que c'est obligatoire, c'est quand même c'est se venir aux besoins de pauvres. Parce que le prophète a dit dans un hadith, « Ornouhum ani su'el fi hadha al-yawm », c'est-à-dire dispenser les pauvres de quémander dans ce jour-là, ce jour de fête, puisque le jour de la fête, nous devons tous avoir ce sentiment, le sentiment de partage. Donc, pour avoir ce sentiment de partage, je dois donner aux pauvres, parce que le pauvre, dans ce jour-là, doit être heureux, lui et ses enfants. Donc, je dois lui donner de quoi subvenir à ses besoins. Vous savez, quand même, le pauvre lui-même doit aussi donner. Donc, le pauvre, dans ce cas-là, doit avoir ce sentiment de partage aussi. Donc, dans ce cas-là, on a un esprit collectif qui règne parmi nous en tant que musulmans parce qu'on s'est habitué à éprouver les sentiments de joie et les sentiments de tristesse des autres. C'est le sentiment de partage. Donc, c'est important pendant les derniers jours du mois de Ramadan et surtout avec le versement de la rupture, de l'aumône de la rupture de jeûne. C'est important pour les musulmans, vous devez le faire. Donc essayons de savoir quelle est la quantité que nous devons payer, exactement combien de livres, Donc on doit quand même suivre bien sûr les fatwas de la maison de fatwas d'Al-Azhar pour savoir exactement qu'est-ce que je dois payer et qu'est-ce que je dois verser dans cette aumône-là. Et pour terminer, là, vous devez quand même et vous préparez ainsi au jour de la fête, puisque le prophète nous a dit « Les sa'imi yawma fitrihi, les sa'imi farhatan, farhatun yawma fitrihi, wa farhatun yawma mulaqati rabbihi » c'est-à-dire au moment de la rupture de jeûne, le jeûneur a deux joies. La première joie, c'est au moment où il doit rompre le jeûne, c'est-à-dire chaque jour, le musulman a une joie, quand il rend le jeûne. Et à la fin du mois de Ramadan, le jour d'Al-Aïd, le musulman a aussi une grande joie parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a assuré, l'a aidé à bien accomplir, à bien observer le mois de jeûne, à mieux observer le jeûne. Et maintenant, c'est la fin, on a déjà accompli notre responsabilité, notre tâche, on est arrivé à la fin du mois de Ramadan, on espère qu'on a déjà atteint la piété. La piété, parce que la piété, c'est elle qui nous mène au paradis. Et une autre joie quand il va rencontrer les seigneurs au jour du jugement dernier, puisqu'il a déjà obéi aux ordres d'Allah, puisqu'il a déjà, en obéissant aux ordres d'Allah, il était utile envers les autres, envers la société, envers lui-même, envers les siens. Nous espérons que nous tous, nous serons utiles envers nous-mêmes et envers les autres. Wallahu a'lam. Donc, je dois vous remercier infiniment, docteur Samir Mandoul. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour cette édition. Il ne me reste que vous dire. J'espère qu'Allah accepte nos jeûnes et nos actes pendant ce mois béni de Ramadan. Merci, chers téléspectateurs. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.